Shoshana Boutboul était au rendez-vous de ce festival de cinéma, plus connu sous son vrai nom, Elisa Tovati, a été reçue comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements accompagné de Daniel Russo et de Thomas Gilou. Elle a su mettre l'ambiance dans le public. Vous vous en souvenez bien de ce nom. On ne peut pas vous oublier, Elisa, pardonnez-moi. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui n'étaient peut-être pas nés il y a 20 ans, donc ouais. Ça me ravit de savoir que La Vérité si je m'en deux va pouvoir être découvert par ces jeunes gens qui ne connaissent rien de l'histoire. Ça, c'est magique. Et oui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, c'était mon premier film, premier gros film. C'est grâce à ce film et à Thomas Gilou que ma carrière a été lancée. Si je ne m'abuse, à l'époque, il y avait plus de 8 millions de spectateurs qui sont venus au cinéma nous voir, qui ont ri et pleuré avec nous. Et c'était pour nous une joie immense. Je voudrais remercier Sophie et tous les organisateurs de ce festival exceptionnel, et vous êtes des grands vénards à Nîmes, parce que nous on aimerait beaucoup aussi avoir un festival en plein air à Paris et nous ne l'avons pas, et je suis venue directement de Paris avec beaucoup d'excitation et de joie pour partager ce moment unique avec vous. Je voudrais remercier aussi Nicole Sonneville, que vous connaissez pas, mais qui œuvre derrière pour faire venir les comédiens et pour qu'on puisse aussi partager ce moment délicieux avec vous. Je vais me mettre dans la salle avec vous pour regarder La Vérité si je mens, que je n'ai donc pas vu depuis 20 ans. Je pense que je vais hurler quand je vais voir à quel point j'ai vieilli.